dans la vidéo de cette semaine, j'ai envie de vous montrer une fin de semaine dans ma vie d'enseignante à temps plein et de youtubeuse. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe chez moi le samedi, qu'est-ce qui se passe chez moi le dimanche pour que j'arrive à faire 2 vidéos par semaine en plus de planifier, corriger et évaluer mes élèves. Donc, vous voyez déjà ce qui se passe la semaine parce que je vous présente des weekly vlogs tous les dimanches matin. Mais ça reste un mystère, qu'est-ce qui se passe la fin de semaine. Donc, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Et puis, ben je commence par toujours être en mou, à moins que j'aille une activité ou une sortie, là, mais je reste tout le temps, soit en pyjama, soit en mou. Puis, mon horaire ressemble grosso modo tout le temps à la même chose. Donc, si ça vous intéresse, ben restez là. Habituellement, je commence le samedi matin en faisant le montage du weekly vlog parce qu'il doit être en ligne le dimanche matin à 10h. Au début, là, quand j'ai commencé à faire des weekly vlogs, je faisais le montage la journée même. Donc, quand je filmais le lundi, je faisais le montage de la séquence du lundi le soir même en revenant de l'école. Mais je me suis vraiment laissée aller. Puis souvent, je reviens de l'école puis je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai de la correction ou faut que je fasse le souper puis je passe la soirée avec mon chum. Fait que ce qui se passe, c'est que je me ramasse avec le montage du vlog à faire soit le vendredi soir ou le samedi matin. Mais pour vrai, ça se fait vraiment vite parce que c'est quasiment juste mettre des séquences une après l'autre. Quoi qu'il faut qu'il y ait une certaine logique. Puis des fois, je mets genre des effets, je mets du noir et blanc, je rajoute les titres, nanana, et je rajoute plein d'affaires. Mais pour vrai, vu que ça fait longtemps que je fais ça, ça se fait quand même assez rapidement. Fait que je fais le montage, je l'exporte, je la mets sur YouTube. Puis comme ça, je suis débarrassée. Je sais que le dimanche matin, elle va se mettre en ligne toute seule. Puis normalement, après ça, je m'en vais à la douche laver mes cheveux. C'est ça. Puis pendant, dans le fond, pendant que la vidéo s'exporte, je m'en vais dans la douche. Puis après ça, quand je la mets sur YouTube, puis j'ajoute le titre, j'ajoute la miniature et tout ça, mes cheveux ont le temps de sécher un petit peu. Puis après ça, je peux aller faire le séchoir, les friser ou whatever. Fait que ça, c'est ma séquence. Tout est vraiment planifié pour qu'il n'y ait pas de perte de temps entre chacune des étapes. Fait que on s'en va au montage du vlog de cette semaine. Donc là, je viens de sortir de la douche. Je laisse habituellement mes cheveux sécher 15 à 20 minutes à l'air libre parce qu'après ça, je trouve que c'est plus facile de les sécher au séchoir. Bref, c'est peut-être juste dans ma tête, mais c'est comme ça que je fais. Et là, ce que j'ai à faire dans le fond, c'est j'ai des examens à corriger, j'ai du plan de travail et j'ai mes plans d'intervention à faire. Mais je m'embarquerai pas tout de suite dans les plans d'intervention parce que, comme je vous dis, dans à peu près 20 minutes, je vais aller sécher mes cheveux. Fait que tant qu'à avoir à arrêter, j'aime mieux faire quelque chose de plus léger que c'est pas grave que je prenne des pauses. Là, fait que je vais probablement corriger le plan de travail. Après, je vais aller faire mes cheveux, puis quand mes cheveux vont être faits, là, je vais pouvoir m'embarquer un petit peu plus dans les plans d'intervention. Par contre, j'ai un souper ce soir, c'est la fête de mon chum, de ma belle-mère, en tout cas, c'est comme la fête de plein de monde au mois de mars. Fait qu'on a un souper, puis on va prendre l'apéro chez une amie. Puis, fait que là, il va falloir peut-être que je commence à me préparer vers 3h, 3h30, fait que je sais pas si je vais avoir le temps de commencer les plans d'intervention aujourd'hui. Fait que je vais peut-être faire ça demain, finalement. Fait que bref, je vous tiens au courant. Je viens juste de finir de sécher mes cheveux, il est rendu 2h30. J'avais pas fini la correction du plan de travail avant, il me reste des cahiers de mathématiques à corriger. Puis comme je pense pas que je vais avoir le temps de commencer les plans d'intervention parce que quand je me mets là-dedans, je veux comme toutes les faire tant qu'à être installée avec tous les documents et tout ça. Fait probablement qu'après, si j'ai encore du temps, je vais corriger un examen de lecture que les élèves ont fait cette semaine. Puis après ça, je vais aller me préparer pour la soirée. Et j'ai oublié de vous dire aussi que le plus possible, la fin de semaine, je ne me maquille pas parce que je suis lâche et parce que aussi je veux laisser ma peau respirer. Mais en général, je me maquille pas à moins d'avoir une sortie ou une activité spéciale. Comme ce soir, je vais me maquiller. Puis je viens d'apprendre que demain soir, on va souper chez mes parents pour la fête de Simon. Fait que je vais probablement me maquiller aussi. Sinon, je reste le plus naturelle possible pour éviter une étape de plus dans ma journée, tout simplement parce que j'aille donc bien ça me démaquiller le soir. Donc voilà. Finalement, j'ai réussi à corriger tout le plan de travail. J'ai corrigé une évaluation en lecture. J'ai commencé à corriger aussi le test d'univers social que les élèves ont fait cette semaine.
Puis là, ben, je viens de me rendre compte que c'est l'heure d'aller me préparer. Fait que j'ai tout mis ça de côté. J'ai rangé ce qui était terminé dans mon sac. Puis j'ai laissé sur la table du salon ce qui n'est pas terminé, donc l'univers social. Et j'ai laissé ma pochette de plan d'intervention parce que tous les documents qu'on nous donne par rapport au plan d'intervention, là, comment les faire, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur, comment faire des bons objectifs et tout ça, j'ai tout mis ça dans une pochette. Puis je la ressors chaque fois que j'ai à faire des plans d'intervention pour être sûr que je les fais de la meilleure manière possible. Donc j'ai laissé ça sur la table et ça va aller à demain. Mais au moins j'ai réussi à finir le vlog et à finir le plan de travail. Puis en tout cas, bon, je pense que je suis pas en retard. Donc je vais pouvoir aller à ma soirée ce soir. Et je retoucherai pas en revenant. Ça va aller à demain matin. Fait que je filmerai pas ma soirée, je filmerai pas rien d'autre. Fait qu'on va se revoir demain matin pour l'autre moitié de la fin de semaine. Normalement, le dimanche, c'est aussi une journée en mou où est-ce que je prends mon temps le matin, une petite grasse matinée, regarde les réseaux sociaux, reste en pyjama, puis je m'installe pour travailler, peu importe ce que j'ai à faire, soit pour YouTube, soit pour l'école. Mais là, ce matin, on a un déjeuner. Fait que je me suis levée, je me suis maquillée, je me suis habillée. Puis quand on va revenir après, probablement que je vais me remettre en mou pour m'installer pour mes plans d'intervention. Fait que je vous en reparle tantôt. Donc, je viens de revenir de mon déjeuner et la première chose que j'ai faite, c'est me remettre en pige pour aller faire mes plans d'intervention. Donc je m'installe dans le salon. Normalement quand je fais de la correction, je mets des vidéos YouTube en background pour écouter en même temps. Mais là, vu que ça me demande beaucoup plus de concentration de faire des plans, ben je vais mettre une playlist genre de musique acoustique ou quelque chose de calme qui va pas nécessairement me déranger. Fait que on va faire ça. Fait que là, je vais m'installer avec ma pochette plan d'intervention. J'ai mon ordinateur portable aussi pour accéder à mes documents. Dans le fond, je peux aller sur le portail de la commission scolaire puis avoir accès à tous mes documents. Dans le fond, j'ai un fichier avec tous les plans d'intervention de mes élèves, avec le plan, le premier plan que j'ai fait à l'automne, puis avec la révision du mois de janvier. Fait que je vais repartir de cette dernière version-là pour les refaire. Fait que je m'installe pour faire ça. J'ai 10 plans d'intervention à réviser. Fait que ça va me prendre une bonne partie de l'après-midi. Puis, j'avais pensé vous faire une capsule sur le plan d'intervention, mais je pense pas que c'est le moment approprié à ce moment-ci de l'année. Fait que dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse vraiment une capsule plus théorique sur comment on fait les plans d'intervention. Je le ferai peut-être à l'automne prochain quand ça va être le temps de rédiger les nouveaux plans d'intervention dans le fond pour l'année prochaine. Fait que dites-moi ça dans les commentaires puis je vais mettre ça dans mes notes pour mes vidéos de l'année prochaine. Fait que quand j'ai décidé de m'installer pour faire les plans d'intervention puis j'ai ouvert l'ordinateur portable de mon chum, elle a décidé qu'elle allait faire une mise à jour. Fait que ça fait au moins 30 minutes que j'attends. Fait que j'ai ouvert le mien. Puis c'est juste pour vous dire que depuis qu'on a notre ordinateur de bureau, on n'utilise plus nos ordinateurs portables du tout, fait que ça fait des mois qu'ils n'ont pas été ouverts, que je devais m'y attendre. Puis là, ben en attendant ça, j'écoutais des vidéos, j'ai pogné un coup de fatigue, puis là, ça c'est vraiment mauvais. J'aurais vraiment envie de faire une sieste en ce moment, mais je vais me forcer, puis ma récompense pour avoir fait tous mes plans d'intervention, ça sera une petite power nap après, fait que on lâche pas. Fait que ça fait quasiment une heure que je travaille sur mes plans d'intervention. Il m'en restait deux à faire avant que je me rende compte que tout ce que j'ai fait depuis le début, ça s'est pas enregistré. Fait que là, je suis comme pas de bonne humeur ben. Parce que je suis vraiment le genre de personne là qui délite, genre je me rappelle plus ce que j'ai mis. Genre j'avais confiance que c'était enregistré. Fait que là, faut que je recommence, faut que je réfléchisse parce que ben je me rappelle plus ce que j'ai mis dans les plans, ce que j'ai changé. Oh, je suis plus capable de ma journée. Bon, en tout cas, là il est rendu 2h10. Et ça c'est à peu près l'heure habituellement où je vais m'installer pour filmer la capsule du mercredi. Excusez mon chum, il joue à des jeux vidéo puis il crie. Fait que c'est habituellement le temps où est-ce que je vais à l'ordi mettre un petit peu mes idées là, j'écris ça dans un document Word, je l'imprime. Puis après ça, mon chum vient m'aider à installer la caméra, installer les lumières, installer le micro et tout ça. Il vient m'aider parce que il vient m'aider avec le focus de la caméra. En fait, là, je m'assois, puis là, c'est lui qui me dit, tu sais, avance, recule, qui zoome, qui place tout ça pour que ce soit beau
En fait, on fait ça depuis quelques mois déjà, ça fait pas tant longtemps. Il y a même des gens qui m'avaient dit « Hey, t'as-tu changé de caméra? Comme le visuel, c'est vraiment beau. » Puis j'ai pas changé de caméra, j'ai juste changé les settings puis comment je m'installe. Fait que c'est mon chum qui m'aide pour ça. Puis habituellement, ben tout de suite après avoir filmé, je mets les vidéos dans l'ordinateur, je fais le montage, puis c'est réglé. Je mets la vidéo sur YouTube, puis elle se met en ligne tout ça le mercredi. Fait que j'ai vraiment comme plus rien à penser pour le reste de la semaine. Fait que je peux me concentrer sur trouver ma prochaine idée. Puis je suis vraiment pas quelqu'un qui pense à l'avance. Certaines fois, oui, là, je pense à mes sujets. Je vais me préparer tout ça. Mais la plupart du temps, là, je pense à ça sur le fly. Puis OK, on va faire ça en fin de semaine. Puis là, je filme pas aujourd'hui parce que c'est ce vlog-là qui va être en ligne. Fait que j'ai pas à aller filmer une capsule. Mais j'ai pensé à ce concept-là samedi matin. Je me suis levée, j'ai commencé à filmer. Puis c'est ça qui va être en ligne mercredi. Fait que... Parfois, tu sais, des fois je prends une bulle, puis là je planifie full, puis là j'écris mes idées, puis OK, là je vais faire ça, je vais faire ça. Mais avec la job que j'ai dans la semaine d'enseignante, ben, tu sais, j'ai pas le temps d'y penser, puis là pouf, on est déjà rendu au dimanche, puis pouf, faut déjà que je filme. Fait qu'il faut que, c'est ça, je devrais me prendre plus d'avance, puis je pense que si je me prenais plus d'avance, mes vidéos seraient plus de qualité. Mais quand j'ai vraiment une capsule où est-ce que l'information est importante, puis il faut que je fasse des recherches et tout ça, je m'y prends d'avance. Tu sais, comme la dernière capsule que j'ai faite sur l'évaluation, j'y ai pensé longtemps, j'ai fait plein de recherches, j'ai lu et tout ça. Mais la plupart du temps, c'est juste sur le fly, let's go, on part la caméra, puis on filme, genre. Fait que là, je vais prendre une petite pause, puis je vais recommencer mes plans d'intervention, parce qu'il faut que ce soit fait, parce que je rencontre les parents cette semaine, puis ce soir, on s'en va manger chez mes parents. Fait que j'ai comme pas le temps de niaiser. Mais comme je viens de perdre une heure, ça me... Donc souvent le dimanche après-midi ou après avoir filmé la capsule, avoir fait le montage, avoir mis ça sur YouTube puis être débarrassée de cette tâche-là, je vais prendre mon cahier Canada. Un cahier Canada tout simple, j'avais changé la couverture mais honnêtement ça sert à rien parce qu'il est tout le temps ouvert à la page où je suis rendue et je vais faire ma to-do list pour la semaine. Fait que je vais aller chercher dans la semaine d'avant tout ce qui n'a pas été coché puis je vais venir le rapporter sur la nouvelle semaine. Puis là, je vais ouvrir mon agenda, puis je vais regarder si j'ai des photocopies à faire, si j'ai de la correction à faire, s'il faut que je trouve des exercices ou s'il faut que je rencontre un élève pour telle raison. Ou bref, j'écris toutes les tâches que j'ai à faire, puis mon cahier est divisé en trois sections. Il y a la colonne école, il y a la colonne YouTube et il y a la colonne personnelle. Fait que tout ce que j'ai à faire pour l'école, je le mets là, puis au fur et à mesure, je le coche. Ça m'évite de gaspiller tellement de post-it. Après, dans la colonne YouTube, ben, je vais souvent venir me mettre des tâches pour pas oublier, mettons, de prévoir des publications sur mon groupe Les Trouvailles de Marie-Florence, de pas oublier de faire le montage de telle capsule, tu sais, gestion réseaux sociaux et tout ça, parce que généralement, les vidéos, j'oublie pas, là, tu sais, vlogger, faire le montage de ça, j'oublie pas, mais tu sais, c'est toutes les à côté, tu sais, répondre à tel commentaire, envoyer un courriel à telle compagnie. J'écris tout ça là, puis dans le personnel, ben souvent, tu sais, si j'ai un souper, si je vais jouer au badminton la semaine ou si j'ai un rendez-vous, quoi que ce soit, je l'écris là parce que vraiment, j'ai tellement de choses à penser que je viens qu'à oublier. Là, je suis épuisée, fait que je vais aller me permettre une petite power nap, mais normalement, je ferai encore de la correction parce que j'ai pas fini l'univers social. C'est juste l'univers social que j'ai pas fini? Je pense que oui, j'ai fait le plan de travail, j'ai fait l'examen de lecture, fait que là il me reste univers social. Ça presse pas tant que ça, là. Je veux dire, les élèves l'ont fait vendredi, fait que je suis pas obligée de me lancer là-dedans tout de suite, sauf que j'aime pas ça quand ça s'accumule trop. Ben après ça, c'est mes tâches de maison qui embarquent, fait que normalement moi pis Simon, on s'assoit ensemble, on fait le menu de la semaine, on regarde ce qu'on a dans le frigo, on regarde ce qu'on a besoin d'aller acheter, on fait le menu et on fait l'épicerie le lundi. T'sais, en ce moment, Simon il travaille pas, fait que souvent il va y aller tout seul dans le jour ou bien il va m'attendre pis on va y aller ensemble le soir. On fait jamais notre épicerie la fin de semaine parce qu'il y a trop de monde. Fait qu'on y va le soir, on a la paix, on fait ça relax. Fait que voilà, puis ce soir, ben là, normalement, j'écoute des émissions, j'écoute souvent tout le monde en parle pendant que Simon joue à l'ordi parce que bon, il aime moins ça. Et faudrait que je plie du linge parce que j'ai fait le lavage, je m'avais vu. Fait que là, tout le linge est propre dans un panier, mais il faut le plier. Fait que j'ai fait ma brassée de foncé, ma brassée de pâle, puis mes serviettes. Puis il n'y a rien de plié, fait que faudrait qu'on plie ça ensemble, puis qu'on range ça.
Fait que je vous tiens au courant du reste de la journée. Là, je m'en vais m'écraser, regarder des vidéos, puis je suis sûre que je vais m'endormir. Fait que, à plus! Fait que normalement, le dimanche soir, après avoir soupé, j'ai fait mon lunch, tout est prêt pour le lendemain, sauf que là, demain, c'est pédago, hein, Momo? Fait que demain, vu que c'est pédago, je vais manger au restaurant avec mes collègues. Après avoir fait ça, on a préparé le café avant d'aller se coucher. Je vais aller sortir mon linge pour demain matin, parce que le matin, je suis juste pas capable de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Fait que je vais aller faire ça. Moi pis Simon, on va écouter une émission. On écoute The Office ces temps-ci, pis c'est vraiment très très bon. Et puis ben, sur ça, demain matin, c'est une autre semaine qui commence, puis vous allez probablement voir ça dans le vlog la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se voit dimanche pour le vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!